En 2023, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, est arrivé à un tournant de son histoire. Le virus du Covid-19 avait libéré sa furie sur le continent africain, provoquant la mort, dévastant les moyens de subsistance et poussant les économies au bord de l'effondrement. L'Afrique a relevé le défi. Les États ont mis en place des mesures sévères, les communautés se sont mobilisées et l'organisme de surveillance de la santé publique, le CDC Afrique, a joué un rôle central dans la coordination de la réponse. L'initiative Sauvegarder des vies et des moyens de subsistance, un partenariat audacieux d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains entre le CDC Afrique et la fondation Mastercard, a formé et déployé plus de 38 000 professionnels de la santé d'ici août 2023, apportant un changement transformateur aux communautés à travers le continent. L'initiative a vu un ajout de 106 nouveaux personnels au CDC Afrique, permettant ainsi de renforcer la capacité du protecteur de la santé du continent. Par ailleurs, des investissements importants ont été réalisés et le nombre de laboratoires pour le séquençage du génome a augmenté de 2 à 32 à travers le continent africain. De retracer les agents pathogènes. And what we've demonstrated is that we can do this. We can do this together through partnership, by working closely, by collaborating, and by really building our own resources, so that we can make a significant contribution that not just only keeps the world safe, but it keeps Africa growing and thriving and achieving. If I have to talk about SLL, there are so many aspects can talk about this is a 1.5 billion program linking african union with a private sector it means massacred foundation with african union with africa cdc implementing that program this is the biggest grant that african union has signed with any it means trusting Africa CDC, providing 1.5 billion dollars. Mastercard Foundation did not just help for our health security, but Mastercard Foundation helped to build the Africa CDC that we know today. Mastercard Foundation helped to build the health systems in our countries. Comment voyez-vous l'héritage de l'initiative Sauvegarder des vies et des moyens de subsistance pour façonner l'avenir de la santé en Afrique, notamment en matière de la résilience des institutions et de l'état de préparation